Bienvenue dans l'épisode final de mes vacances au Mali. C'est l'apothéose qui va clôturer cette mini-série sur le Mali. Il est constitué de ma dernière journée et de mon départ. Ce ne sera pas un vlog centré sur ma découverte culturelle au Mali, mais juste un court moment avec nous, sans filtre, où vous assisterez à nos fous rires, nos discussions et nos débats enflammés, mais surtout nos derniers moments ensemble à sillonner Bamako pour une dernière fois. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Bon visionnage. Mali de numbe kawili, Mali te jamana langoloye, Mali de numbe kabo, Mali te jamana langoloye, Mokomu numbe, Mali de nunda mentanyala, Mokomu numbe, Mali de nula jamala, Mokolu kasabali, Mali te jamana langoloye. Tout comme chaque matin, nous sommes allés récupérer Ami avant de bien commencer la journée. Ensuite, nous sommes allés dans un fast-food pour manger. Et en toute honnêteté, la nourriture y était excellente. Je donne un 10 sur 10 pour la pizza reine que j'ai mangée. El Salvador. Bonjour Ami, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller repartir chez ma tante et après on va voir. Aujourd'hui c'est chill. Voilà hein. Ma power. On est venu à manger dans un petit coin. Est-ce que tu peux me laisser ma place de reine? Non, je peux pas. Je filme. Je peux pas ma vie. Amis, ils vont dire filmez pas. Ah, commence pas, femme. Que voy a hacer? Je suis perdu. Ami ma vie, t'as pris quoi? J'ai pris un petit mousse à la nature, je sais pas, mais pour vous accompagner, j'ai pris ça. Charles, t'as pris quoi? Colonie Vaudan. Non, je connais ça. Merguez. Ok, et moi j'ai pris quoi? Parlez pour moi. Pizza Reine. Non, mais c'est pas mon escale. Je ne suis pas dévoilée devant lui dans tous les cas. Lui, il croit. Ami, elle vient de dire qu'elle peut se dévoiler devant Moussa. Sans son voilà, hijab parce que c'est un esclave. Et hier, elle a dit que quand elle est en voyage, qu'elle prie deux rakats parce qu'elle est en voyage alors qu'elle est arrivée à destination. Ça fait qu'elle est en voyage. Mais grave, il a doute alors que je suis sûre de moi. Mais quand tu pries deux prières pendant que tu es arrivée à ta destination, tu ne fais pas des harams. Bah si. Quoi comme haram? Être humain ne fait pas haram. C'est pas la donne de donner haram. On va prier, aller sur le chat, prier, parler sur les gens, c'est haram. Non, non, mais haram, c'est bon. Mais non, mais tu sais, Baba, tu m'énerves, on va plus parler. Tu crois que je rigole quand tu fais ça? C'est vrai le truc de la prière, je vais t'envoyer une mission. Mais t'es arrivé à destination de la vie. Non, c'est pendant tout la période du voyage. Okay. C'est sous, non, c'est recommandé de faire. Comme elle n'a pas un là, donc tu pries deux rakats pour tout. Je fais ça à chaque fois que je voyage. Sauf ceux qui sont trois. Et deux. Mais moi, je vais inventer quoi? C'est qu'un niveau de route à la par exemple. Non, je t'ai dit non. Ok, Amila, par contre, tu commences grave à me filer. Hein. Même en plus, je l'ai dit à ma mère, et même ton père, il a confirmé devant la. Tu as précisé que tu es arrivé à 2007 pendant deux semaines, tu pries deux rakats. Ah non, je ne pas dire ça, je dis ça à ma mère. Mais c'est pas parce qu'elle a tué les meilleurs. De toute façon, ta mère, on sait, elle s'en fout, mais dis à genre, mon imam, je vais lui envoyer un message, je vais lui demander aujourd'hui. Oui, demande-lui. On va faire. Je ne sais pas.
Voilà, son smoothie est arrivé. Avec un youtubeur, voilà. Il dit pour les caméras, c'est un peu, il ne peut pas respirer. Pire que Tchak, dis pour Tchak. Mon frère, il est pire que moi, non, déjà. Si. Du coup, je vous enverrai la chaîne. Mmh. C'est quoi la vie avec un youtubeur? Est-ce qu'elle est tarana, non, t'as copié? Bah, c'est ça que j'ai dit. Ah, comme ça, il béna, il bénit d'eau. C'est quoi la vie avec un youtubeur? Bah, c'est bien, mais parfois, c'est un peu, voilà. Vous... Des fois, vous ne le voyez pas, vous êtes là, en fait, une action, oh, vous êtes filmé, vous avez vu. Vous n'avez plus d'intimité, quoi. Mais bon. C'est le jeu. Je ne sais plus que voy a faire, je suis perdu. Impression. C'est une bolognaise? Sur 10, c'est bizarre. En début de soirée avec Ami, nous sommes allés dîner au rooftop qui est un mélange de shisha house, bar et restaurant. Et je valide encore une fois le menu et l'ambiance. Je suis reconnaissant de mon voyage et j'espère que Dieu va m'offrir plein d'opportunités de la sorte. Jack, marie-toi aux Maldives comme ça, en Amitoi, marie-toi aux Bahamas ou en Turquie.
ou en Indonésie, comme ça on va là-bas aussi. Ah, l'avion, vous me cassez les couilles. Pourquoi l'avion il va où celui-là? Il part tout. Hein. Le dernier jour de mon voyage m'a rendu triste. J'étais le premier à partir et j'ai du mal à dire au revoir. Mais il a fallu que je le fasse et quitter l'ambiance de fête qui régnait à la maison. C'est déjà la fin de ce beau voyage qui a changé ma vie et a ouvert mes yeux sur énormément de choses. La crise sociopolitique que traverse le Mali depuis plusieurs années ne définit pas mon pays. Au contraire, il est bien plus que ça. Le Mali est un pays hospitalier, avec énormément de culture, de diversité, avec des ressources naturelles rares et des paysages extraordinaires. Les Maliens sont joviales, solidaires, intelligents et avec des belles valeurs. À travers mes 6 épisodes, j'ai voulu apporter une différente vision du Mali sous plusieurs facettes. Un épisode a été consacré à Sibi, un autre sur le mariage, ainsi de suite. Et j'estime que mon but principal de promouvoir une image positive du Mali en réalisant ces vlogs a été atteint. Il faut garder à l'esprit que mes vlogs ne représentent qu'une infime partie du Mali. Bamako est vaste, tout comme l'entièreté du Mali, qui compte plusieurs régions et chacune d'entre elles sont uniques en leur genre. Je suis conscient que mes vlogs ne représentent pas la réalité de chaque Malien, mais ne représentent que ma réalité à moi, d'un point de vue privilégié. Au Mali, tout comme partout dans le monde, certains se battent au jour le jour contre la pauvreté
et ces gens ont tout mon respect et mon soutien infini. Ce n'est pas une fin, mais juste une pause pour mieux revenir avec plus de contenu sur le Mali. Votre soutien sans faille me motive encore plus à continuer. Dans la prochaine saison, j'irai dans quelques régions pour pousser encore plus cette mini-série en profondeur. Merci de m'avoir suivi dans ma découverte culturelle et à bientôt.